Le musée des Beaux-Arts d'Arras propose des collections diversifiées, sculptures médiévales, peintures des Pays-Bas, tableaux français du XVIIe siècle, céramiques, paysages du XIXe, une sélection d'œuvres abondantes proposées au public. Les collections du musée des Beaux-Arts d'Arras sont constituées de plus de 30 000 objets, une collection extrêmement riche et une institution ancienne, puisqu'elle a été fondée dès la Révolution et que le musée s'est installé dans l'abbaye Saint-Va au milieu du XIXe siècle. Les œuvres se côtoient donc et s'organisent dans ce cadre de choix. Les collections s'articulent autour de trois grands axes. D'abord, pour la période médiévale, des tapisseries, des sculptures, des objets d'art. Pour le XVIIe siècle, des œuvres plus classiques, comme ici ces peintures religieuses. Mais on a également une galerie de tableaux flamands et hollandais d'inspiration plus baroque. Et dans ce remarquable écrin que constitue l'abbaye, une place toute particulière est faite à des artistes issus de l'art ajoie. Pour le 19e, autour de la figure du paysagiste Camille Corot, on a une école dite d'Arras avec des peintres comme Constant Dutilleux ou Charles de Savary. Une collection riche qui participe au rayonnement culturel et artistique de la ville d'Arras.